Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans Apro Ciné Critique, je vais vous parler d'un film de Michael Mann, son dernier à date d'ailleurs sorti en 2015, un thriller technologique du nom de Hacker ou Black Hat en VO. Et à l'affiche, dans le rôle principal, nous retrouvons Chris Hemsworth, bien loin de ses rôles alimentaires à la Thor dans le MCU ou Tyler Rake sur Netflix, mais c'est pas la première fois qu'il nous offre ici une prestation remarquée dans un film plus profond, exemple Rush de Ron Howard, où il était très bon. À ses côtés, nous avons Viola Davis, ainsi que des acteurs asiatiques, Tang Wei ou encore Wong Li-hom. Alors, déjà, première chose à dire, ce Hacker a été un véritable échec au cinéma, un flop qui visiblement a fait du mal à Michael Mann, parce que depuis, on attend son prochain projet. Alors, il prend son temps souvent entre les films, voilà. Mais espérons qu'il nous revienne plus fort par la suite, parce que ça a dû lui mettre un petit coup au moral. Pourquoi échec ? Parce que film très complexe, que je vais essayer de résumer rapidement avec un synopsis plutôt bref. Au début, nous avons une centrale nucléaire qui explose à Hong Kong suite à un piratage à distance. Et ensuite, vous avez le cours du soja qui flambe. Bon, bref, tout ceci l'œuvre visiblement d'une seule personne. Et on a le FBI américain ainsi que le gouvernement chinois qui essayent de s'associer pour retrouver le coupable. Et pour ce faire, ils ont besoin d'une aide, d'un hacker qui gît en prison depuis plusieurs années, qui est en train de purger sa peine de 15 ans, un certain Nicholas Hathaway, joué par Chris Hemsworth, qui accepte, tant bien que mal, d'aider donc ces gens. Pourquoi ? Parce que parmi eux, il y a son colocataire et ami d'avant, un Chinois qui travaille pour le gouvernement, du coup. Il se retrouve, en plus, il y a la petite sœur de celui-ci, et très vite, il ne va pas être indifférent à ses charmes, bon, évidemment. Et on va se retrouver donc dans une enquête internationale avec des enjeux colossaux, où on va donc tenter de retrouver ce pirate, tout en faisant attention, parce que les États-Unis ne voient pas d'un très bon œil que le gouvernement chinois ait accès à certaines informations classé top secret, c'est un peu, ici une sorte de pseudo-nouvelle guerre froide qui nous est présentée, même si les deux pays sont amenés à collaborer pour éviter le pire. Et une véritable chasse à l'homme va se lancer entre ce hacker qui, très vite, essaye de s'affranchir de ses chaînes, FBI et gouvernement chinois, avec l'aide de la sœur de son coloc, en manipulant certaines choses pour lui-même régler ses comptes avec ce mystérieux pirate, et ça va les mener dans plusieurs pays du monde, notamment en retour à Hong Kong, ils sont aux États-Unis au début, à Hong Kong, là où il y a la centrale qui a explosé, ensuite en Malaisie, etc. Et alors, un film ambitieux, qui est dans la droite lignée du cinéma numérique que Michael Mann a porté vraiment aux yeux de tous de façon extraordinaire. Mais alors là, ça va vraiment dans la profondeur des choses sur le plan technologie, informatique. Et comme ça se veut réaliste, comme beaucoup de brûlots de Michael Mann, grosso modo quand même, il y a des moments où le spectateur peut se sentir perdu, surtout s'il ne s'y connaît pas trop, donc dans tous ces acronymes ou autres programmes informatiques, etc. Mais on est au feu de l'action, clairement dedans, donc ça tape et tout. Mais aussi... Au-delà du thriller technologique, nous sommes en présence d'un film qui bastonne avec des scènes d'action remarquables, comme d'habitude, du gunshot et aussi quelques combats à main nue qui percutent avec le grand Michael Mann derrière, avec sa masterclass habituelle, sa caméra épaule, on est en plein dedans, des effets numériques qui font que c'est parfaitement fluide tout en étant bien saccadé, c'est superbe là-dessus. Sur le plan formel, j'ai beaucoup aimé le film, mais sur son fond et son scénario, j'avoue que j'ai trouvé l'ensemble un peu long. Pas du tout inintéressant, au contraire, mais voilà, à force de coller à une certaine forme de réalisme, que j'accepte totalement, et c'est même vraiment brillant à ce niveau-là, eh bien, on s'y perd, on perd quelque chose peut-être, et c'est pas facile. Disons que à certains moments, tu te dis, ouais, ok, cette scène était géniale, mais pourquoi ? Et puis il y a d'autres moments où tu te dis, allez, voilà, bon, il n'y a pas d'incohérence en soi, au contraire d'ailleurs, c'est presque trop cohérent par moments, mais c'est du cinéma total.
Et alors, oui, voilà, il faut bien apprécier tout ce qui est piratage, etc. Et à un moment, moi, c'est pas que ça m'a gonflé, mais j'avoue que plus de 2h10 quand même, et tu sens le temps passer. Et pourtant, alors Chris Hemsworth, pas facile à dire comme ça, mais bon, est bon. C'est pas son meilleur rôle, hein. Je préfère quand même sa performance dans Rush. Mais je me pose la question, enfin, je me suis posé la question plus d'une fois dans le film. Ok, donc c'est un pirate, mais alors, il a fait l'armée et tout avant, hein, parce que, bon, c'est pas. Oui, pourquoi pas, hein, c'est un Américain après tout. Mais alors, à un moment, il est quand même sur le terrain. Moi, je ne sais pas, hein, quand je parlais qu'il n'y avait pas d'incohérence, que tout était trop cohérent, il y a quand même un truc qui me chiffonne un petit peu, mais peut-être que je cherche la petite bête, c'est que normalement, quand t'as un génie de l'informatique hacker comme ça, qui doit essayer de trouver des trucs, t'essayes de le garder sous cloche. Sauf que il se joue des intelligences diverses pour être, voilà, directement au feu de l'action. On le voit à un moment se battre dans un bar, extraordinaire scène d'ailleurs, hein, soit dit en passant, qui est un peu gratuite sur le moment, mais qui est jouissive. Donc tu vois que ça justifie que derrière il a envie d'être sur le feu de l'action, d'autant plus qu'il veut vraiment, c'est lui contre ce pirate, hein, c'est une question d'honneur presque. Mais bon, ouais, voilà, à un moment tu te dis quand même, ah, ouais, allez, il fallait bien que ça soit comme ça dans le film. Et puis évidemment, on voit Chris Hemsworth torse nu, hein, et puis cette romance, bon, il y a des choses qui sont pas très utile. La romance, à la rigueur, si, parce que ça renforce les enjeux du final, ça te donne encore plus d'attachement au personnage, surtout quand il se passe des choses assez dures. Mais voilà. Après, c'est pas mal construit quand même, hein. Il y a du temps d'exposition, donc ouais, on est quand même bien lié à nos protagonistes, mais voilà. Autant vous dire que donc c'est pas mon film ultime de Michael Mann, après tout j'en ai vu que 4, hein, en comptant celui-ci. Après Heat et Collateral, déjà la barre était très 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 haute, hein, j'ai pas commencé par les pires. Et même Le Solitaire, qu'il avait fait en 1981 avec James Caan, il me semble. Bon, voilà, que je trouve un peu au-dessus. Mais ce métrage-là colle parfaitement aux thématiques de Michael Mann, donc cette chasse à une sorte de réalisme total, mais aussi l'être humain un peu seul face au monde. Ici, le personnage de Nicolas Hathaway, même s'il est lié à quelqu'un, qui se fait des amis quand même, c'est un petit peu comme celui du solitaire, James Caan. Il sort de prison en plus, il doit être face à des choses qui le dépassent peut-être sur le papier, mais dont il fait une affaire personnelle. Donc on est dans cette lignée-là, et c'est sombre, et c'est violent, et ça, il y a des plans voilà, qui sont très forts, des décors, des scènes qui sont marquantes. Vers la fin, par exemple, en Malaisie, sans en dire plus, c'est pas des choses dans une sorte de défilé, là, c'est vraiment fort. Mais ouais, il y a des moments un peu en trop, et puis c'est très très technique, hein, très lié sur ce qu'on voit sur le plan du numérique. Alors là, on le sait, hein, Michael Mann, c'est le ponte du cinéma numérique, même l'un des grands instigateurs. Mais là, on est dans le numérique du numérique, on est à fond dedans, et c'est pas étonnant malheureusement que les gens aient été frileux au niveau la réception de ce film, peut-être trop en avance sur son temps, quelque part. Peut-être que dans 5-10 ans, ce film sera salué. D'ailleurs, il me semble qu'il a gagné, hein, depuis ces dernières années, un petit statut, pas culte, mais bien plus positif que ce qu'il a pu avoir comme retour à sa sortie. Voilà, j'espère que j'ai réussi à être clair. Mais bon, voilà, c'est mon ressenti sur ce métrage, auquel j'attribue la bonne note de 7 sur 10 quand même, mais en dessous donc des trois œuvres que j'ai vues du monsieur jusque-là, auparavant. Bref, c'est tout ce que j'avais à dire sur ce hacker, puisque c'est le titre français. Je vous dis à la prochaine. Ciao!